最後になるから。お前の生き方に口出しする権利は私にはない。だからこれはただの私の願望なんだがな。お前、胸張って生きろよ。Un monde, deux facettes. Une représentant la cruauté de celui-ci et une autre sa beauté. Quoi de plus beau que la naissance d'un enfant? Un nouveau-né pourrait représenter plusieurs choses pour une maman. Un espoir, un cadeau ou une erreur. Qu'en est-il cependant de Historia? Pour le moment, ce n'est pas très clair. Mais tout ce que l'on sait, c'est qu'elle a voulu tomber enceinte. De l'autre côté de la pièce, on retrouve l'opposé parfait de la naissance. Ou dirais-je, la finalité d'une existence entière. Après tout, nous naissons tous pour mourir à la fin. Toutefois, nous ne vivons pas pour mourir. Nous vivons pour réaliser des choses et donner un sens à notre vie. Qu'est-ce que cette jeune maman a mérité pour abandonner son enfant? Qu'est-ce que ce nourrisson a mérité pour perdre sa maman? Je n'arrive pas à exprimer la douleur et l'horreur que j'ai ressentie devant une scène d'une telle atrocité. Il faut aussi qu'on se rappelle de quelque chose de très important. Dans le chapitre 111, Levi avait dit qu'Historia ne devrait pas accoucher avant quelques mois. L'accouchement est donc prématuré dans ce début de chapitre et représente un vrai danger que ce soit pour la mère ou pour l'enfant. Mais si l'un des deux devait mourir, je pencherais pour une mort de Historia. Et puis, pour quelle raison Historia accoucherait-elle d'un bébé prématuré? Est-ce comme ça pour aucune raison ou parce que celui-ci est le fils du diable? Personnellement, je suis dans le flou total sur ce sujet. À tout moment, on pourrait nous dévoiler l'identité du père, qui serait soit le fermier, soit Eren. Donc la meilleure chose, c'est d'attendre le prochain chapitre. Il est aussi important de voir qu'Isayama maîtrise parfaitement son œuvre au moindre détail près. Lorsqu'on regarde cette page, puis l'ending de la saison 2 de l'anime, on remarque le parallélisme frappant qui existe entre les deux scènes, mais surtout la symbolique des nourrissons qu'on voit dans les deux images. L'un levé vers le ciel, l'autre vers une lumière extérieure de façon à ce que cela puisse le représenter comme étant l'unique espoir. Ce que l'on peut tirer aussi de ce chapitre, c'est que dans le désespoir, naît l'espoir. Les enfants représentent donc l'espoir et l'avenir de l'humanité. Et pour approfondir l'idée, revenons à un chapitre où Onya Konpon avait dit « C'était parce que nous croyons que cette île avait un avenir. Les enfants sont cet avenir. » Puis, dans le chapitre 133, Eren avait dit qu'il ne laissera pas tomber l'avenir de l'île du paradis. Maintenant, faisons le lien avec l'enfant de Historia. Celui-ci représente, tout comme le nourrisson qui a perdu sa mère, ainsi que tous les autres enfants qui ont été montrés dans ce chapitre 134, l'avenir de l'île du paradis. La symbolique est vraiment super forte ici, et on remarque aussi qu'Isayama ne cesse depuis le chapitre 130 de nous montrer des scènes gore et atroces afin d'accentuer l'horreur du génocide en cours, mais surtout de remettre une partie des lecteurs en question, les pro-Jaeger. Effectivement, les pro-Jaeger sont les personnes qui adhèrent fortement aux idéologies de Eren et sont entièrement d'accord avec ce génocide du début jusqu'à sa fin et veulent la victoire d'Eren. Et plus on avance dans l'histoire, plus Isayama augmente le niveau d'atrocité. Chapitre 130 puis chapitre 131, où il nous a montré la mort déchirante de Ramsey et son frère. Dans le chapitre 132, nous avons assisté à la mort de Hanji Zoe. Et aujourd'hui, il nous montre une maman qui se sacrifie en sauvant la vie de son nourrisson. Mais il n'hésite pas aussi à nous montrer des personnes innocentes et des familles entières se faire piétiner par les titans colossaux. Absolument rien ne pourra arrêter Eren. Malgré tous les explosifs qui ont été lancés sur lui et sa horde de titans colossaux, il n'hésita point à rétorquer. Il use le pouvoir du bestial pour détruire les montgolfières. Je voudrais aussi que vous vous concentriez sur ce qui se passe dans ces cases. Vous l'avez bien vu, c'est bel et bien Eren qui est en train de créer le titan bestial, et non pas Sieg qui se transforme. Grâce au pouvoir du titan marteau d'armes qu'il a dévoré au chapitre 104, Eren a pu donc modéliser le titan bestial de Sieg. Si vous n'êtes toujours pas convaincu,
Regardez bien la couleur de sa fourrure. Celle-ci est beaucoup plus claire que d'habitude. Ce titan bestial n'est donc pas Sig, mais un modèle créé par Eren grâce au pouvoir du titan Marteau d'Armes. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme, et en se concentrant un peu plus sur le visage de ce titan bestial, eh bien, on remarque qu'il n'a pas de yeux. Comme s'il était dépourvu de vie. Dépourvu d'âme. Et cela prouve donc une fois de plus que ce titan bestial n'est donc pas Sig. Sauf si Eren le manipule. Mais je ne crois pas du tout que c'est vraiment le cas ici. Ce qui reste bizarre, c'est le fait que cette création agit exactement comme devrait agir Sig s'il s'était transformé en titan. Vous me direz peut-être que dans cette case précise, le titan bestial protège sa nuque. Je vous dis non, parce que lorsqu'on jette un coup d'œil sur cette autre case et que l'on zoome un peu plus, on voit très bien que la création de ce bestial touche à sa fin et qu'il sera enfin détaché du cordon que vous voyez ici. D'où ces traces qui montrent que cette zone prend forme. Donc je ne crois vraiment pas qu'il a rigidifié sa nuque, mais seulement le fait que cette partie de sa peau est en train de prendre forme petit à petit, vu qu'elle venait de se détacher du cordon. L'Alliance fait-elle donc face à un faux titan bestial ? Nous avons utilisé la haine. Nous avons cru que la haine serait notre seule et unique issue. Nous avons laissé tous nos problèmes que nous avons nous-mêmes créés dans l'île des démons. Et le résultat ? Ce diable est né pour nous retourner toute cette haine. Si on devait me donner une seconde chance, je jure de ne pas refaire les mêmes erreurs. Si l'humanité existera demain, j'espère que vous allez tous jurer de faire pareil et commencer un monde de paix. Ce furent ainsi les phrases qu'avait proclamé un soldat Mar. Il regrette tout ce que les Mar avaient fait subir aux Eldiens. Je me demande par contre s'il fallait en arriver à un génocide global pour que les Mar se remettent en question et regrettent leurs actions. Car oui, c'est seulement quand on fait face à une situation où la mort y est assurée que l'on commence à réfléchir et à se poser des questions. Avions-nous toujours eu raison? Est-ce de notre faute ou celle des autres? Combattre la haine par la haine, au final, c'est la haine la plus grande qui remportera le combat. Et dans ce cas-ci, la haine d'Eren est celle qui a gagné, car effectivement, le monde entier ne peut rien faire face à elle. Et si on combattait la haine par autre chose? Si on combattait la haine d'Eren par de l'espoir, par cette lueur d'espoir que représente l'Alliance. Quel résultat pourrons-nous avoir? Reiner, qui était l'ennemi d'hier, est devenu l'espoir d'aujourd'hui. Et si vous ne l'avez toujours pas remarqué, les dernières pages correspondent exactement à l'audio final qui a été dévoilé il y a très longtemps. Comme je l'ai dit dans ma théorie sur la fin de Shingeki no Kyojin, Armin est l'espoir de l'humanité. Armin est celui qui sauvera l'humanité du diable, qui est en train de commettre le crime le plus atroce que le monde n'ait jamais connu. Et ce diable n'est autre que son meilleur ami d'enfance, Eren Yeager. Malheureusement, celui-ci avait déjà dit qu'il ne s'arrêterait pas, et que pour l'arrêter, il faudra le tuer. Et je vous l'avais dit dans une précédente review, l'auteur voulait nous faire oublier l'utilité d'Armin pour le faire briller à la fin du manga. Nous pouvons très bien voir qu'Armin est prêt à faire ce qu'il a à faire. Il a le regard d'un commandant qui n'a désormais plus le droit à la moindre hésitation. Son sort et le sort de toute l'humanité se jouent maintenant. Tout est entre ses mains et ceux de Mikasa, ainsi que ceux de l'Alliance, qui aura un rôle important à jouer. Nous sommes ainsi dans la dernière ligne droite du manga. Vengeance sera faite, promesse sera tenue. Mais qui va triompher à la fin? Mais à la fin, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Et serait-ce l'humanité entière ou Eren Yeager ?